Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, vague de violence xénophobe en Afrique du Sud, à Durban, des étrangers sont accusés de la montée du chômage et de la hausse de la criminalité. Les heurts ont fait au moins 6 victimes et 5 000 déplacés. Une marche pacifique en soutien aux migrants a été organisée. Les Soudanais dans l'attente des résultats des dernières élections, la majeure partie de l'opposition boycottant ce scrutin déjà critiqué par la communauté internationale. Le président et candidat Omar El-Béchir par grand favori. La jeunesse africaine représente un potentiel loin d'être négligeable pour le développement du continent. Divers dispositifs pour permettre à cette jeunesse de jouer pleinement son rôle sont mis en place. Exemple des mesures prises par la Côte d'Ivoire dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'Algérie commémore le 70e anniversaire du massacre de Sétif durant 3 jours à partir de ce dimanche 19 avril. Un hommage sera rendu à ces milliers d'Algériens tués sous la colonisation française en 1945. Rappelez-vous, le 8 mai de cette même année, les populations à Sétif et Guelma manifestaient pour leur droit à l'indépendance. De ces rassemblements s'ensuivra une des répressions les plus sanglante de l'histoire coloniale française, causant la mort de 1500 à 45 000 personnes. Vague de violence à caractère xénophobe en Afrique du Sud. Les étrangers sont, aux yeux de certains Sud-Africains, à l'origine du chômage élevé dans le pays. Mais un bon nombre de la population condamne ces attaques et une manifestation a eu lieu ce jeudi 16 avril pour soutenir ces victimes. Les précisions d'Ibraha Dindiaye. L'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences à caractère xénophobe, des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie et qui ont déplacé plus de 5 000 étrangers. La plupart sont des demandeurs d'asile de pays africains tels que le Mozambique, le Malawi ou encore le Zimbabwe. Certains nationaux les accusent de voler les emplois dans un pays où le taux de chômage tourne autour de 24%. Les déplacés ont trouvé refuge dans plusieurs bâtiments publics tels que les commissariats, les églises ou encore les mosquées. Les autorités sud-africaines ainsi que les ONG ont également mis à leur disposition des abris, mais les conditions de vie dans ces centres sont très basiques et doivent être améliorées pour répondre aux besoins sanitaires de tous. Parler avec les Zimbabwéens, beaucoup d'entre eux, la majorité que nous avons visités, vous disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et nous travaillons avec le gouvernement sud-africain. Nous allons faire en sorte que les processus nécessaires pour que ces gens soient rapatriés au Zimbabwe soient mis en place. C'est la raison de ma présence ici. Je tiens à confirmer que la majorité, près de 90% d'entre eux, m'ont dit qu'ils souhaitent retourner au Zimbabwe. Plus de 5 000 Sud-Africains ont manifesté à Durban ce jeudi 16 avril pour dénoncer cette nouvelle vague de violence. Oui, je participe à cette marche parce que je veux voir notre gouvernement debout contre ce qui se passe, contre la xénophobie. Alors maintenant, je comprends ce qu'est la vraie Afrique du Sud, parce que maintenant, le gouvernement prend enfin en compte ce qui se passe ici contre des ressortissants étrangers. En tant que Sud-Africain, je pense que nous faisons partie de l'Afrique et du monde entier. Ainsi, les communautés internationales sont les bienvenues ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Le président Jacob Zuma s'est exprimé publiquement contre ces violences et appelle au calme. Et ajoutons que le président sud-africain Jacob Zuma a annulé ce samedi un voyage en Indonésie après une nouvelle nuit de violence xénophobe perpétrée par des casseurs et pilleurs. Dans le reste de l'actualité, au moins 19 morts dans un accident de mine en Tanzanie. Les recherches se sont poursuivies ce samedi pour dégager les corps de plusieurs mineurs ensevelis. L'accident a eu lieu vendredi au nord-ouest du pays dans une mine exploitée sans l'autorisation des autorités tanzaniennes. Au Soudan, le comptage de voix des élections présidentielles et législatives du 13 avril se poursuit. Des scrutins marqués par un faible taux de participation après un boycott des partis de l'opposition. Le président Omar El-Béchir paraît donc certain d'être réélu, comme nous l'explique Birama Saounera. Au Soudan, le dépouillement des votes des élections présidentielles et législatives du 13 avril dernier se poursuit.
Selon les observateurs, un des faits marquants de ces scrutins, faible taux de participation des électeurs. En cause, le boycott de ces rendez-vous par des partis d'opposition, dont certains sont allés jusqu'au retrait des candidatures. Les quelques 13 millions de Soudanais admissibles à voter ont donc eu très peu d'alternatives face au président Omar El-Béchir et son parti du Congrès national. Je ne reconnais pas ces élections. Ce ne sont pas des élections, mais plutôt le gaspillage du temps et de l'argent du peuple soudanais. Nous avons perdu beaucoup de temps, alors que tout ceci était censé être fait en notre faveur. Nous avons perdu plusieurs jours de notre vie. Le président Omar El-Béchir est largement pressenti pour remporter la présidentielle. Cependant, ce faible taux de participation aux élections pourrait le faire apparaître comme un président élu au rabais et davantage accentuer le fossé qui sépare une partie de l'opinion publique du gouvernement. Il y a une sorte d'insatisfaction à l'égard de la performance du gouvernement à ce stade. Et en même temps, il y a un sentiment général que cette élection ne changera rien et n'apportera rien de nouveau. Le résultat est connu, le gagnant également. Il n'y a pas vraiment d'espoir quant à une volonté de changement dans les politiques générales. Ces élections n'ont enregistré aucun engouement. Il n'y a aucun désir de connaître les résultats qui seront sans surprise. Le président Omar El-Béchir avait déjà signalé qu'il se retirerait en 2015, mais en octobre 2014, son parti du Congrès national l'avait désigné comme candidat. Les résultats définitifs des élections sont attendus fin avril 2015. À l'instar de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire regorge d'une population très jeune. Les besoins en matière d'éducation et de formation ne sont donc pas des moindres. L'État ivoirien a mis en place plusieurs initiatives afin d'offrir à cette jeunesse le plein emploi. Mais sont-elles suffisantes? Élément de réponse avec Ibra Khadindiaï. Vers la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs au district d'Abidjan. En 2014, le district a organisé un concours de jeunes entrepreneurs émergents. Le premier prix était un financement de 10 millions de francs CFA pour le meilleur projet. Pour garantir les chances de succès, le district a créé un centre d'incubation au profit des jeunes porteurs de projets. Ils y suivent une formation dans le domaine technique et administratif pour affiner leur projet. Mon projet consiste à la fabrication de savon solide et liquide. Je fais des savons de toilette, des savons de lessive, des détergents, et puis un peu de tout, du parfum, de la pommade, c'est du cosmétique en fait. Le mien, il est naturel, il est vrai, et puis je peux dire qu'il est efficace. Le concours a permis de découvrir des jeunes prêts à abandonner le confort de ville pour réaliser leurs aspirations en milieu rural. Les pisciculteurs, soit ils vendent leurs poissons, soit sur le site, où ils livrent directement au marché. Moi, mes clients sont répertoriés depuis les quartiers et moi, je les achemine, c'est-à-dire ma production est acheminée directement au consommateur final, de sorte à avoir une plus-value. Le centre d'incubation du district d'Abidjan assiste les promoteurs dans leur démarche au niveau du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les projets portent notamment sur la savonnerie, l'élevage, les cultures hors sol et les technologies de l'information et de la communication. Pour le district d'Abidjan, l'essentiel est d'accompagner les promoteurs et surtout de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes sur le territoire du district. Un mot de sport avant de clore cette édition. Les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Orange se poursuivent ce dimanche 19 avril. Le champion en titre, le SC Tif, affronte le Raja Casablanca au Maroc, tandis que Al Ahly, vainqueur record de cette compétition, rencontre le Maghreb de Tétouan. Les deux représentants marocains jouent gros. Un troisième derby nord-africain mettra en face à face le MC El Ulma et le club sportif Sfaxien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.